C'est qu'elle est frileuse, elle est coquette, elle est frileuse. Allez, là c'est un numéro, on a l'habitude, ils viennent, t'as vu, ils viennent de se faire un bisou, sans qu'on les voit, les deux personnes là, pour se donner du courage, parce que d'habitude, dans un numéro d'arbalète, c'est la première fois que je vois un numéro comme ça, il y a le mec qui tire, et il y a la partenaire qui reçoit, je choisis mes mots avec ma fille, et là, les deux tirent. Comment, quel est son prénom? Je sais pas. Il faut dire que c'est sa 11e femme. Ce numéro est extrêmement dangereux, ne le refaites pas chez vous. Non mais tu vas voir que c'est vraiment dangereux, il s'appelle Mr. et Mrs. J. Comme le oui, il va le trouver, il va le trouver, l'arbalète. Et il y a une mise en scène, il y a une chorégraphie, tu vas voir, et il y a une prise de risque maximum quand même. Voilà, t'es content d'avoir présenté le numéro? Très content, alors ça c'était très simple à présenter. Tu peux pas donner la peine de le regarder à la répétition. Mais si, tu rigoles. Vraiment, vraiment, Balfi, je me demande pourquoi je t'invite et pourquoi je t'inviterai encore. Je t'adore. Ouais. Allez, envoyez Mister et Mrs. G. Du spectacle, rien que du spectacle. De plus en plus compliqué, avec un petit miroir à l'envers. Thank you.
Oh oui, il y a les têtes à Paris, il y en a qui sont blancs. Mister et Missy Chay. Et alors là, Bernard, au quart, là, il va falloir que tu me repasses au ralenti, là, parce que le cœur qu'il avait sur la poitrine, elle est vraiment arrivée à 2 cm. Wouh! Mister et Missy Chay, des États-Unis, spécialement pour nous. Je vous ai dit qu'il y aurait de l'émotion ce soir. Il y a de l'émotion par la qualité du travail des artistes. Dans quelques instants, vous allez avoir un numéro de bascule. C'est des Cubains qui sont complètement allumés. Je ne sais même pas si je vais rester pour le regarder, tellement ils me font peur, tellement ils vont haut. Mais pour l'instant, je vais avoir une émotion particulière. Approche-toi de la table, ma chérie. Je te trouve très loin de moi. Je préfère quand tu te rapproches. Alexandra Rosenfeld, qu'on va applaudir très très fort. Bonsoir.